une action qui s'inscrit dans un contexte particulier où la haine, la violence et la barbarie veulent s'imposer à nous. Et puis il y a eu la terrible tragédie de l'été dernier qui nous a tous frappés au plus profond de nous. Une terrible tragédie qui nous marque à jamais. Je forme le vœu que face à ces drames, à tous ces drames, nous puissions, dans l'union et le respect, soulager les peines et les douleurs tout en faisant en sorte que nous n'ayons plus à vivre et partager de telles souffrances. Tout d'abord, les chiffres de 2015. Notre budget 2015, et à l'image de nos précédents budgets, près de 25 millions d'euros, en consolidé bien sûr, voire même un embellissement supplémentaire. Pourquoi ? Parce que notre endettement a encore baissé de l'ordre de 10%, ce qui représente 1 099 000 euros sur ce budget 2015. Cela représente également l'engagement total que nous avons pris pour la durée du mandat. Je m'explique, sur 2015, on a baissé l'endettement de 10%, qui représente 1 099 000 euros. C'est l'engagement que nous avons pris pour notre mandat de 2014 à 2020. Souvenez-vous, l'endettement de notre ville représentait dans les années 90, vous vous en souvenez, 5 budgets. Aujourd'hui, notre endettement représente 30% d'un seul budget. Nos impôts ont de nouveau baissé de 2%. Je voudrais souligner que cette baisse supplémentaire de 2%, soit 7% en 4 ans, c'est près de 1 million d'euros, j'arrondis, que l'on a donné comme pouvoir d'achat supplémentaire aux Terrassonnaises et aux Terrassonnais. Nos investissements sont toujours au rendez-vous. Pour 2015, un montant, avec le reste à réaliser, je dis bien avec le reste à réaliser, de 8 200 000 euros. C'est donc 8 200 000 euros qui seront injectés dans l'économie de ce grand bassin de vie. Dans ces investissements, sans vouloir tout énumérer, nous avons le pont vieux qui sera terminé sur 2016, avec un coût total de 2 500 000 euros, éclairage compris. La traversée de Terrasson, pour un montant de 3 300 000 euros, qui sera effectif au plus tard début 2017. En ayant à l'esprit que la totalité des investissements sur cette traversée, plus de 5 km, représenteront un montant de près de 10 millions d'euros, voire un peu plus. Il va de soi que dans ces 10 millions d'euros figurent l'assainissement, l'enfouissement des réseaux, ainsi que le câblage, l'éclairage, etc. Il y a la maison des arts martiaux, dossier qui a pris du retard, compte tenu des formalités administratives et implantations, représente un investissement de 2 500 000 euros. L'ensemble sera effectif en septembre-octobre 2016. Je puis également vous assurer que ce sera une structure surprenante qui accueillera de multitudes disciplines d'arts martiaux. Sans oublier, bien entendu, la vie quotidienne des Terrassonnaises et des Terrassonnais, toujours prioritaire. Nous l'avons démontré, nous consacrons des sommes considérables aux infrastructures municipales, à la voirie, au Grand Terrasson et au centre-ville, et une montée en puissance de Terrasson Service Plus. Mais au-delà des investissements, le bilan de l'action menée se mesure dans les services et moyens apportés à nos concitoyens. En matière d'action sociale, de soutien à la vie associative, d'activités sportives et culturelles. Nous y consacrons d'importants budgets. Si je m'arrête seulement au budget consacré à l'aide aux associations, il est de l'ordre de 240 000 euros. Et bien entendu, l'investissement
importants que nous avons consacrés à la ville ancienne, avec de nouvelles échoppes, des travaux tous azimuts pour embellir et dynamiser ce centre historique qui prendra toute sa dimension dans les 2 années à venir. En termes d'économie, notre ville continue à se développer en créant de nouvelles recettes et par voie de conséquence des emplois. Ce sont près de 150 emplois supplémentaires qui ont été créés sur le deuxième semestre 2015 et premier trimestre 2016. Nous en verrons les effets, je l'espère, à court terme. Tout cela en renforçant davantage notre action en faveur du développement économique. Un développement économique qui, dans l'avenir, sera plus que jamais le fer de lance de notre action. Malgré les réformes successives, notamment celle de la taxe professionnelle, la ville de Terrasson est toujours portée par son économie à plus de 60%. Je voudrais aborder maintenant les perspectives du budget 2016 et bien au-delà. Avec la fin des travaux et des financements assurés que je viens d'énumérer, et bien que nous soyons obligés, comme toute collectivité, de participer au redressement des finances publiques pour un montant de plus de 300 000 euros en 2016 et de près de 400 000 euros pour 2017. Je ne parlerai pas cette année de baisse d'impôts. Mais je vous rassure tout de suite, il n'y aura pas non plus de hausse des impôts communaux. Notre grand projet, le bassin de la Bézère, est en cours d'étude et je l'espère, l'intégralité de ce dossier est en cours depuis de nombreuses années, je dirais 7 à 8 années, je l'espère sera finalisé cette année. Ce dossier qui comporte un grand volet touristique pour ce bassin de la Vézère et, comme je vous l'ai déjà dit, un meilleur flux de la Vézère pour diminuer de façon sensible les inondations. Il y aura un investissement important puisque aujourd'hui la station qui est en aval de la Vézère et qui produit 400 kW d'électricité par une société privée, passera probablement à 1800 kW et qui engendrera un investissement de près de 4 millions d'euros. Comme je viens de vous le dire, ces 4 millions d'euros seront assurés par le privé intégral. Nous aurons également 130 places de stationnement sécurisées supplémentaires dans le parking gendarme, ce qui portera la capacité à 200 places indispensables pour le développement du tourisme dans nos jardins et notre ville ancienne. Un développement important est encore prévu pour la création de 4 à 5 échoppes supplémentaires dans le vieux Terrasson, avec des grandes animations à l'image de celles que nous avons vécues l'an passé. Un fleurissement particulier pour les nombreuses habitations de ce centre ancien sera développé. Il s'agit de compléter le côté minéral dominant et d'apporter une luxuriance végétale et florale. De nombreux projets d'économie touristique qui seront mis notamment en route sur 2016. Privé, public. Un projet important, une étude de faisabilité est déjà élaborée. Un grand projet de son et lumière pour des visites nocturnes, 9 à 10 mois par an dans les jardins d'imaginaire, qui donnera une dimension nationale, européenne et voire au-delà, et qui permettra des retombées d'investissement très importantes pour notre ville. Sans oublier le lancement de la station d'épuration, 4 millions 800 000 euros. Qui seront investis sur les 2 voire 3 années à venir. Cette station d'épuration, j'en dirais 2 mots, 15 000 équivalents habitants, 6 à 7 000 pour la ville de Terrasson,
un millier pour nos voisins de Cublac et 6 000 équivalents à mi-temps pour notre parappe Dordogne-Aquitaine de notre intercommunalité. Voilà ce que je dirais sur la session d'épuration qui sera lancée, qui est déjà lancée, Madame la sous-préfète. Je sais que vous nous avez rappelé à l'ordre 20 et 20 fois, ça y est, c'est parti. 2 à 3 projets industriels et commerciaux, vous connaissez ma prudence, 2 à 3 projets industriels et commerciaux qui sont en cours de finalisation et qui devraient voir le jour sur 2016-2017. Comme vous pouvez le constater, nous sommes toujours dans l'action et 2016 devrait se positionner comme un grand cru de réalisation. J'aborderai maintenant un volet important sur le devenir de notre bassin de vie. Je veux parler de notre intercommunalité qui comprend, vous le savez, 39 communes et près de 25 000 habitants. Je voudrais tout d'abord souligner le dynamisme de son président, Dominique Bousquet. La tâche n'est pas facile, mais l'équipe qu'il a constituée autour de lui, ainsi que l'ensemble des maires, prennent la mesure de cet enjeu vital et déterminant pour notre avenir. L'enjeu est de taille puisque nous devons créer absolument, je dis bien absolument, de l'économie qui nous permettra de créer des emplois, certes, et surtout des recettes nouvelles qui nous font tant défaut. Notre pays, la France, n'est pas dans une forme exceptionnelle. C'est le moins qu'on puisse dire. Avec une situation économique très inquiétante. Depuis des dizaines d'années, je dis bien depuis des dizaines d'années, voire plus, nos dirigeants politiques, au plus haut niveau, nous répètent chômage, chômage. Que l'on nous parle enfin de véritables mesures prises en faveur de l'économie et notamment des TPE, des PME, des PMI, créatrices d'emplois. Prenons de véritables mesures pour booster l'économie et nous verrons que le chômage baissera et que l'on renouera avec une valeur ajoutée qui permettra au pays, à notre nation, d'être encore plus solidaire. Pour ma ville, vous me voyez confiant et optimiste. Cette vision s'accompagne d'une méthode de gestion éprouvée et dont je dois pouvoir dire qu'au-delà des résultats incontestables, elle séduit bien des collectivités. Ce n'est pas sans raison que notre ville est enviée. Elle est enviée par son cadre géographique et son histoire. Elle est enviée par ses structures publiques et municipales. Elle est enviée par le dynamisme de sa population. Elle est enviée par ses résultats économiques et ses retombées en termes d'emploi. Je souhaite une jeunesse qui ne parte plus à l'étranger, qui ne prenne plus la rue contre ces adultes qui ont vu venir mais qui n'ont rien fait. Je voudrais que nos enfants nous disent « Merci pour la France que vous nous laissez ». Le déficit d'aujourd'hui, c'est les impôts de demain. Je souhaite que ces politiques comprennent que le déficit public est un non-sens, est un non-sens. J'irai même plus loin, je dirais un assassinat des générations futures. J'adore mon pays et je n'ai aucun problème à payer beaucoup d'impôts. Mais je pense légitime de vouloir que ces impôts soient bien dépensés, bien géré. Existence personnelle, familiale, mais aussi professionnelle et sociale. C'est l'ambition, mesdames et messieurs, que je vous propose de partager à nouveau ce soir, en vous renouvelant à vous-même ainsi qu'à vos proches, tous mes voeux de santé, de bonheur et de prospérité. Vive Terrasson-Lavilledieu, vive la France et vive la République.